ce saut. Et on va laisser parler un spécialiste, mais c'est un superbe saut pour débuter. Un petit mot à San sur Roger Ferzoli qui découvre, hein, lui c'est un nouveau sur le circuit, découvre le spot de La Rochelle. La sortie de l'eau, on va l'applaudir très très fort, c'est un baptême. Ça y est, il l'a fait. Et lorsqu'on le fait à San, son premier à 27,50, c'est quelque chose d'important. Colonel Chris Coulin. Voilà, et lui aussi il découvre. Alors, Hassan, tu as fait un peu ce que tout le monde a fait aujourd'hui en regardant ce saut. Comme ils découvrent également cette hauteur, ce spot, ils sont obligés de prendre des repères et c'est pas encore au top, hein, on le sent. Hein. Non, c'est pas encore au top. Là, par exemple, on voit que son départ était très rapide au début et puis il est resté en l'air, il a essayé de bloquer en l'air avec beaucoup de difficultés. Mais également, c'est son premier plongeon et les premiers plongeons sont toujours très délicats. Voilà, donc on rentre tout doucement sur le spot, on prend le rythme, on prend le bon timing. Voilà, vous pouvez l'applaudir, il sort de l'eau, Chris Colanus. Christophe, le Polonais. Kent Damon, États-Unis, USA. Pour Kent Damon. Là aussi, Hassan, on sent que lui maîtrise. Alors, il y a une phase intermédiaire lorsqu'on dit à moitié du saut. Hein, la figure est réalisée à moitié du saut et ensuite, il faut tout de suite se positionner pour l'entrée dans l'eau. Exactement, on fait la figure. Là, c'est des figures simples, mais on le verra, ça sera plus flagrant sur des figures un peu plus difficiles. Là aussi, Alain, quand on l'a vu arriver il y a 2 ans ici sur le spot, il n'était pas si à l'aise que ça, et ça va mieux. Hein. Ouais, ça va mieux aussi, parce qu'il a commencé en 2009. Il a fait pas trop bonne saison l'année dernière, mais il a passé des séances de qualification à la main, et puis là, il se débrouille plutôt. Bien pour la première fois, il est américain, Kyle Mitrione. C'est super pour un premier saut. Ah, il est venu prendre la température, mais avec une. Il y a quelques difficultés dans ce saut, Hassan. En effet, ouais, il y a quelques difficultés. Et MyJ a fait 2 tours avec une demi-vrille, donc c'est un peu plus difficile. Il reste un tout petit peu court à l'entrée à l'eau, mais pour un premier plongeon, je suis vraiment étonné. Hein. Une grande qualité de plongeon chez tous les plongeurs cette année. Alors, pour rentrer un peu dans la technique, tu dis il reste un petit peu court parce qu'on sent qu'il est légèrement. Alors, on va voir, oui. On en parlera tout de suite après d'Orlando, mais on va avoir le deuxième saut d'entraînement de Roger Ferzoli, Mexico. Oh.
on va rapprocher. La sécu, attention. Voilà, une meilleure entrée peut-être pour Ferzouli, Hassan. Bon, en effet, il a fait une meilleure entrée à l'eau, il est un peu plus droit, il fait encore un peu d'eau puisqu'il reste toujours un peu short, mais ça évolue, c'est de mieux en mieux. C'est un garçon, alors Mexique est connu pour le spot d'Acapulco, mais la compétition ne s'est pas faite sur ce spot-là, celle-ci. Non, la compétition au Mexique s'est faite sur une cénote qui se trouve à côté de... Un peu plus au sud qu'Acapulco. Exactement, hein. Exactement. C'est en plein milieu de la jungle, c'est un superbe site d'ailleurs. Jorge Ferzouli, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Gary Hunt. C'est là, Sam, qu'on voit la différence quand même, parce que sur le deuxième saut déjà, on est sur un très très haut niveau technique. Hein. Il y a un peu plus de maîtrise à Hassan, on sent que ça y est, il est en train de prendre le timing, il se place. Alors il y a une petite faute à l'arrivée encore, mais il est en train de se placer. Une légère faute à l'arrivée, il pousse un peu trop ses épaules en arrière, donc ça fait beaucoup d'eau. Mais en l'air, c'est beaucoup plus propre, ça se voit que c'est un plongeur qui en veut. Et puis il avait un excellent niveau à 10 mètres, il faut savoir ça, que c'était un des meilleurs plongeurs anglais au niveau à 10 mètres. Ouais, excellent plongeur. Blake Aldridge, voilà, on va l'applaudir, on termine la session de cette première partie d'entraînement. On va rouvrir le port. On va récupérer...